Bon, et eh bien salut tout le monde, c'est MyMonsterGame. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un glitch sur GTA V. Et oui, et oui, et oui, toujours des glitches. Donc, cette fois-ci, je vais avoir besoin de ma voiture principale. Donc, c'est une sorte de Chevrolet, on va dire. Je vais donc, vous pouvez faire avec n'importe quelle voiture, je tiens à signaler, vous pouvez le faire deux fois avant que le garage ne vous dise que vous pourrez pas. Parce que bah tout simplement votre voiture bah vous avez trop vendu de voitures et auquel cas au bout de la deuxième fois votre voiture principale sera réellement vendue. Alors vous allez me dire pourquoi sera réellement vendue au bout de la deuxième fois? Bah tout simplement qu'en fait le glitch consiste à vendre votre voiture mais sans la vendre. En fait vous toucherez l'argent de votre voiture vendue mais vous l'aurez encore. Cela marche une fois, je tiens à préciser. Bon, vendre, comme vous pouvez le voir, bon, allez, on va payer 54$, voilà. Donc comme vous pouvez le... Merde. Comme vous avez pu le voir, bah ma voiture se vendait vers les 7 900$. Attendez, je vais bien me remettre. Je vais essayer de pas l'abîmer. Parce que je crois que je suis monté sur le capot et tout de ma voiture. Je pense que ça l'a abîmé. Bref, on s'en fout un petit peu. Donc... Vous vous mettez dans n'importe quel groupe, n'importe quel accueil, en partie sans invitation et tout ça. Alors, la première fois, déjà, on va la customiser un petit peu. Donc, la première fois, dès quand je l'avais sans rien, je pouvais la vendre à 4 000 et quelques dollars. Donc là, on va customiser un petit peu. Je vais acheter 2-3 trucs pas trop chers, on va dire. Moteur, non, j'ai pas fait assez de courses. Tac, tac, on va prendre ça. Ça et puis tiens le frein, non j'ai pas, bon merde je suis encore sorti, c'est pas grave. Mais vous, donc là je l'ai un petit peu customisé, donc vous avez vu elle était à 7 900 et quelques. Attendez, on va faire un petit tour. Hop, elle était à 7 900 et quelques, vous avez pu le voir. Et cette fois on va la vendre mais je vais encore la voir, donc vous allez voir. Ce glitch est vraiment très bien parce que quand vous avez une super belle voiture, vous pouvez la vendre, comment dire, vous pouvez la vendre deux fois. Comme ça, vous toucherez deux fois la vente, quoi. Donc regardez, donc là 10 000 dollars. Regardez bien. Donc je vais bien vous expliquer parce que je vais le faire qu'une fois parce que c'est quand même ma voiture. J'ai pas trop envie de la vendre vraiment. Là, en fait, je vais la vendre une première fois, mais je le rends encore que si je la revends deux fois, vu que le garage va me dire. Que j'aurai au bout de la deuxième fois que ça sera voilà que je pourrai plus revendre de voiture, du coup il la gardera. Donc je vous conseille, si c'est votre voiture principale, de la vendre juste une fois. Donc vous faites, vous cliquez sur vendre, vous appuyez, vous confirmez jusqu'à ce que ça soit déduit. Donc vous appuyez une fois après avoir vu voulez-vous vraiment vendre ce véhicule. Donc vous faites oui, tac, vous allez là, vous appuyez sur start, donc vous allez sur PlayStation Store, vous cliquez jusqu'à ce que ça envoie dans le PlayStation Store. Une fois dans le PlayStation Store, vous faites retour et vous allez voir, je vais toucher l'argent de mon véhicule et tout en le gardant en fait. Donc c'est vraiment un petit glitch très sympa. Alors voilà, donc hop, c'est un petit glitch très sympa que je vais envoyer à la Glitch Hack FR, ce qui peut vous permettre de vraiment gagner beaucoup d'argent et de, grâce à cet argent, pouvoir customiser vos véhicules. Donc vous avez pu voir que le... Là, ça... je le vois comme si je pouvais le conduire. Donc regardez. Là, si je veux, je peux le revendre une fois. En fait, c'est un bug. C'est que du coup, je pourrais le revendre une deuxième fois. Mais je vais pas le faire parce que tout simplement que, bon, de toute façon, ça va s'accumuler l'argent. Mais je vais pas le refaire parce que j'ai pas envie de perdre mon véhicule. Donc je vais regarder vite fait si je peux le revendre. Si je peux le revendre. Non, je vais pas le faire. Donc voilà, c'est très très simple. Comme vous pouvez le voir, grâce à cet argent, bah, je vais pouvoir customiser encore mon véhicule ou tout simplement bah, pouvoir économiser très rapidement de l'argent pour pouvoir investir dans autre chose que de la customisation de véhicules, comme par exemple dans des hangars, dans des appartements et tout ça. Prochainement, je vous ferai une vidéo où j'achèterai... une villa à 400 000 dollars, voilà celle-là en plus, la prime, elle, 400 000 dollars. J'en suis à la moitié, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien acheter. Alors, j'espère que ce glitch vous aura plu.
N'oubliez pas de mettre un petit j'aime et tout ça, de visiter ma petite chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la Glitch.fr et puis sur ma chaîne aussi. Bon allez, salut tout le monde, c'était My Monster Game et à la prochaine. Bye.